Profiter de son jardin été comme hiver pour de nombreux propriétaires en Corse, cela est synonyme d'un aménagement qui demande souvent beaucoup d'entretien. Les propriétaires de ce jardin voulaient justement habiller cet espace extérieur et cherchaient un matériau élégant qui les libérerait d'un entretien trop fréquent. Donc ici, on est dans un jardin qui, à la base, est un grand espace. On avait deux objectifs en créant ce jardin. Créer un jardin naturel et surtout qui ne nécessite pas d'entretien. Et le bois a découlé de sources. Il n'y a absolument aucun entretien et le bois vieillit très bien. Le bois, la solution était là. Les propriétaires cherchaient à créer avec ce matériau des espaces différents, des petits cocons aux ambiances exotiques. Donc dans les créations d'ambiance, on a créé sous la pergola une ambiance un peu japonisante et une autre ambiance ici avec un jacuzzi en dessous pour donner un petit peu cette ambiance île en alliant toujours la nature et les végétaux autour. On a choisi une végétation assez luxuriante autour de manière à pouvoir avoir vraiment cette ambiance naturelle. Une ambiance naturelle pour ces espaces de grande convivialité dans un style cosy et moderne. On ne voulait surtout pas un style rustique. Et c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut croire des fois en choisissant de mettre du bois dans son jardin, l'aspect n'est pas du tout rustique. On peut avoir des aspects, là on est vraiment dans un jardin quand même plus moderne, comme on peut le voir là, avec des panneaux un petit peu persiennes et cette ambiance naturelle et chaleureuse du bois. Si le bois ici ne demande aucun entretien, le choix dans le matériau est primordial. Un bois qui résiste aux intempéries, au soleil et à l'humidité est recommandé. Tous les aménagements sont en pin classe 4 pour sa durabilité, parce que c'est vrai que quand on fait des aménagements tels quels dans son jardin, on n'a pas envie de recommencer 5 ans après. Et c'est vrai que l'avantage du pin classe 4, c'est que ça a une durabilité minimum au moins de 20 ans. Donc c'est vrai qu'on a choisi un fabricant qui garantissait ses produits, donc un engagement derrière sur un produit de qualité. Le bois ne demande aucun entretien, mais sous l'effet des saisons, sa couleur virera naturellement vers un ton légèrement gris. Si dans quelques années on en a marre de voir cette couleur un peu grise et on accepte moins cette couleur, on peut tout à fait venir passer un petit produit, un dégriseur et un saturateur pour redonner la couleur du bois. Donc on peut le laisser une dizaine d'années, voire même une quinzaine d'années comme ça. Et puis au bout de ce temps-là, il y a des petits produits qui existent comme le dégriseur ou des saturateurs qui peuvent lui redonner son aspect bois. Mais en tous les cas, c'est qu'un aspect esthétique, le bois aura bien résisté, l'avantage d'avoir pris un pain classe 4. Une installation rapide et simple à la portée de tous pour des années de bonheur. Là, l'aménagement a été fait par un professionnel, mais un bon bricoleur peut tout à fait monter la pergola ou le carbet qu'on a derrière nous. En quelques heures pour la pergola et plutôt en 2 jours pour le carbet. Le bois, le matériau par excellence pour tout aménagement extérieur, été comme hiver, il saura se rendre indispensable, comme ici tout autour de cette piscine. L'avantage du bois pour la sortie de la piscine, c'est que avec une option, si ça avait été une option carrelage, c'est que ça a tendance à beaucoup plus glisser qu'ici un aménagement entièrement en bois. Et ça a aussi l'avantage de ne pas être trop chaud aux pieds à la sortie de la piscine l'été. C'est vrai que même l'hiver, comme on peut le voir là sur des journées un peu pluvieuses, le jardin a encore beaucoup de charme avec la nature. Enfin, c'est vrai que c'est l'avantage aussi du bois, c'est que c'est chaleureux dans une ambiance extérieure. Thank you.